La Fédération burkinabé de football s'annonce rude, sans compassion ni commisération. Le conflit est ouvert entre Sita Sangaré et son ex-directeur de campagne. Le secrétaire général démissionnaire a déclaré sa candidature à la présidence de la FBF. Les motivations, les projets et programmes de Bertrand Kabore pour le football burkinabé dans quelques instants. Le RCK, de nouveau maître du basket domestique. C'est la saison parfaite pour les Oranges Noires. C'est la saison parfaite, donc, je disais, pour les Oranges Noires. Tout comme au foot, les Faucons ont dicté leur loi et gardent jalousement leur titre de champion. Ce championnat, nouveau format sous l'égide de la Ligue nationale, a-t-il produit les résultats escomptés? Les organisateurs font le bilan. La boxe burkinabé culmine, le volet lui fulmine. Soutoke Patrice a conservé sa ceinture WBC francophone de justesse grâce à un nul salvateur. Quant aux voleurs, ils n'ont pas tenu la dragée haute devant les Ghanaiens. Bien que jouant à domicile, les Black Stars ont cueilli les étalons sur les tableaux féminins et masculins. Rendez-vous tout à l'heure. Nous ferons aussi un round-up du côté des championnats de hockey et d'escrime pour mettre un nom et un visage sur les champions de cette saison. La guest star, c'est le sport conjugué au féminin au travers des courses GTCF et de la finale du TIFO. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Après le championnat de foot, celui de basket, 2016, une année de sourire, de réussite pour la grande famille des Oranges Noires. La domination du RCK sur la planète basket s'est faite pour la deuxième fois durant. Les Faucons se sont succédés sur le toit de la balle au panier dimanche au Palais des Sports de Ouagadougou pour maintenir son titre. Le RCK s'est offert le scalp de l'AS Sonabi, son véritable challenger. 68-57, le film de la finale avec à la caméra Kwale Nebié, à l'écriture et au commentaire notre basketteur maison, Lassina Sawadgo. Bis repetita pour le Rail Club du Kadiogo. Face à sa légendaire rivale, les Faucons ont terminé de la plus belle manière une saison commencée sur des chapeaux de roue dans cette nouvelle formule de la Ligue nationale de basketball. 14-14 dans la phase aller et retour. Une demi-finale maîtrisée et un match piège en finale évité. Au Palais des Sports, un seul élément manquait à l'appel. Yves Ouedraogo, le coach de l'AS Sonabi en mission. Présence bien remarquée de Amadou Traoré, président du Rail Club du Kadiogo et de la famille Wibga. Dans ce choc, il fallait réussir l'entame et les poulains de Obis Wibga réussissent à bien rentrer dans le match. 26-20 au premier quart-temps. Les pétroliers au deuxième quart-temps sont dans le bon rythme. Le public est dans le tempo. Les Faucons sont pris de court. Un temps fort pour les poulains de Ismaïla Sara qui reviennent à moins 5 à la mi-temps. Chez les pétroliers, le syndrome du troisième quart-temps est récurrent. Le troisième quart-temps a toujours été un problème chez nous. On a essayé de travailler toute la semaine passée pour essayer de pallier à ce problème. On a eu tout le temps des difficultés. Une fois de plus, l'AS Sonabi va passer au travers avec 6 petits points inscrits contre 13 pour les Faucons. Un écart difficile à combler face à une équipe plus aguerrie. Le RCK avec plus d'armes. Armel Ouedraogo, 13 points. Yaya Diarra, meilleur joueur AGSB, 14 points. Camille Biou, 15 points. Stéphane Nissao, 16 points MVP, ont fait la différence. En face, seul Raymond Ouedraogo a passé la barre avec 14 unités. 68-57 et une victoire logique pour les Faucons. La Sonabi a joué avec cœur cette fois-ci. On a quand même pu, surtout au niveau de la deuxième mi-temps, élever notre niveau de jeu défensivement. Parce que j'ai dit à mes joueurs à la mi-temps, si nous ne défendons pas plus que ça, nous allons voir la coupe nous échapper entre les mains. Et après 15 matchs d'affilée, il faut qu'on gagne le 16e. Et Dieu merci, 68-57, on est champion et c'est le doublé football et basketball. Et je suis un coach très heureux. Je suis comblé parce que on ne s'attendait pas vraiment à ce résultat-là au niveau du basket parce que vraiment ils ont travaillé dans des conditions très très difficiles cette année. Ça n'a pas été simple, mais ils se sont battus, ils se sont mobilisés et c'est pourquoi je voudrais donc profiter vraiment de l'occasion pour féliciter encore une fois de plus l'entraîneur et tous ceux qui sont autour du basket, les joueurs également parce que je sais que les conditions de travail n'ont pas été simples, mais en tout cas ils ont serré les dents et pour arracher, n'est-ce pas, cette victoire. J'allais pas dire inattendu. Ils ont toujours des revanches à prendre. Ils ont toujours des revanches à prendre pour nous. Et on est là, on va se préparer
pour revenir reconquérir notre titre. La médaille d'argent et la somme de 750 000 francs pour l'AS Sonabi. La médaille d'or, le trophée et 1 million de francs CFA pour le Rail Club du Kadiogo. La troisième place échoue au meilleur club actuel de Burkina Faso, Diadem. Il a pris la mesure de l'AS Onéa. 52-49, ce championnat nouvelle version conduit par la Ligue nationale est-elle satisfaisante? Les organisateurs ont tiré le bilan. On reste avec Kwale Nebié. Lassina Sawadugo. Diadem de Bobo Dioulasso complète le podium de la Ligue nationale de basketball en battant l'AS Onéa dans le match pour la troisième place. Orphelin de René Ouédraogo en deuil, l'équipe de la nationale des eaux a manqué de jus au Money Time. Les 16 points de Loussadou seront insuffisants. Nassirou Kéré a lui planté 20 points pour son équipe qui l'emporte 52-49. Je pense que pour le match de classement, prendre la troisième place du championnat national, je pense que quand même, bon, on est ravis. Franchement, on est ravis. J'aime gagner, je n'aime pas perdre. Il y a des choses, bon, on ne va pas parler de ça à la télé, mais je pense qu'il faudrait que la Fédé fasse un clin d'œil à l'arbitrage, quoi. Surtout un peu de l'autre côté. Voilà, mais sinon... Diadem n'a pas démérité, ils ont joué au basket. Une première partie de saison qui s'achève et un premier bilan à tirer. La résultante de ce qu'on a mis en place, la Ligue nationale, on sentait que toutes les deux équipes en voulaient. Et pour moi, je suis plus que ravi, je suis le plus heureux qu'on a pu insuffler ce dynamisme au basket burkinabé. Pour ceux qui ont vu ce match, ils sont unanimes à reconnaître que la Ligue nationale est nécessaire pour notre basketball. Et je pense qu'il est souhaitable que cette compétition continue. Et si on a toujours le pouvoir, je pense qu'on se battrait pour que ce championnat continue. Et c'est en cela qu'il faut qu'on continue de faire en sorte que la Ligue nationale puisse s'éteindre et qu'il y ait une Ligue féminine dans le même genre pour permettre à notre basket d'aller plus loin. Au niveau de Bobo, je pense qu'ils ont achevé. Au niveau de Ouaga, ils viennent de commencer. Je pense que d'ici un mois, ils auront achevé. Je pense qu'avant la fin de notre mandat, toutes les finales, en fait, toutes les catégories vont jouer leur championnat et les finales auront lieu. La Ligue nationale a bien fait les choses. Les matchs se sont déroulés normalement. Nous avons tenu notre calendrier. Et maintenant, on va faire un bilan avec votre aide aussi. Parce que bon, toute œuvre humaine est perfectible. Nous avons organisé, c'est aux autres aussi de juger. Mais je pense que d'un point de vue d'ensemble, c'est satisfaisant. Il faut se mettre au diapason avec les autres éléments manquants du puzzle. Le Burkina Faso a raté le coach sur ses propres installations et devant son public. Le tournoi de la solidarité de volleyball 2016 a connu le rinçant partage des Ghanéens, aussi bien chez les dames que chez les messieurs. Les hommes se sont débarrassés des Burkinabés 3-7-0 et les dames ont disposé des locales 3-7-1. Mokhtar Ouédraogo, Tabakini. Le Ghana a totalement dominé ce tournoi de la solidarité 2016. En remportant les finales hommes et dames de la compétition. En dames, les Burkinabés ont subi la rage de vaincre des Ghanéens. 3-7-0, 25-18, 25-10 et 25-17. Elles ont été plus percutantes en attaque devant Sylvie, Koyo et ses camarades, très timides dans le jeu. L'objectif final, c'était quand même de rapporter le trophée. C'est une équipe qu'on rencontre permanemment et qui a pris encore le dessus sur nous ce soir. Si on veut encore des résultats pour des prochaines fois, il faut que le travail continue. Chez les hommes, le Burkina démarre bien la partie. Il remporte le premier set 25-22. La joie fut de courte durée. Les Ghanéens revoient leur jeu et remportent successivement les deuxième, troisième et quatrième sets. 25-16, 25-17 et 25-16. 3-7-1 pour le Ghana qui domine totalement la compétition. C'est le résultat d'un long travail qu'on a commencé depuis 2010. Et c'est bon, c'est le moment pour avoir ce résultat. Du côté du Burkina Faso,
le travail doit se poursuivre. Je pense qu'on a bien démarré, on a lutté, on a gagné le premier set. Le deuxième set, on a baissé un peu d'intensité. On a récupéré, nous avons essayé de revenir au troisième set. Ça n'a pas donné. Mais nous, on met ça dans le fait que c'est une équipe jeune, remaniée à 80%. Je pense que si nous avons la chance de pouvoir continuer avec ces jeunes-là et de travailler encore plus longtemps, ça va nous permettre de voir de très belles choses. Le Ghana donc l'emporte. En hommes et dames, il reçoit les médailles d'or plus les trophées. Le Burkina Faso termine deuxième en hommes et dames et se contente des médailles d'argent. Le Niger finit troisième chez les dames, médaille de bronze. Médaille de bronze également pour les hommes du Bénin qui se classent troisième. Des prix spéciaux ont récompensé les meilleurs joueurs et équipes fair play du tournoi. Prochain rendez-vous, le Niger pour l'édition 2017. Les hommes burkinabés ont plutôt perdu 3-7 à 1 et les dames se sont faites écraser 3-7 à 0. Ce tournoi, comme on s'en doute, n'a pas échappé au lot de coups de gueule et de coups de cœur. Il a le mérite d'avoir donné de la compétition aux voleurs de la sous-région. Suivez quelques réactions recueillies par Mokta Ouidraogo et Dabakini. Le niveau est assez bon. Mais je pense que nos équipes doivent travailler encore un peu plus pour arriver au niveau du Ghana et particulièrement au niveau mental pour pouvoir tenir la compétition en durée. Je peux dire qu'on a réussi l'organisation. Les étalons étaient classés deuxième et nous sommes heureux. Nous pensons que la prochaine fois, nous prendrons la coupe de la zone 3. Nous avons relevé le défi et je profite de votre micro pour remercier le ministre des Sports et des Loisirs qui nous a beaucoup soutenus pour que nous puissions organiser cette compétition. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être à Ouagadougou. Il faut pour cela saluer les actions du président Casimir Savadogo, qui se bat, Casimir Savadogo, son équipe. Également, le ministère des Sports du Burkina. Ces deux entités-là, il faut le dire, contribuent fortement à l'évolution du volleyball au niveau de la zone. Et nous remercions vraiment les autorités sportives du Burkina, les autorités du Burkina, la Fédération du Burkina, et également tous ces pays qui ont effectué le déplacement. Vous l'avez dit, ça a été très difficile, mais chapeau à la Fédération du Burkina qui a su relever le défi. Une ceinture dans la douleur, surtout que Patrice Le Bombardier a in extremis conservé sa ceinture WBC francophone samedi au Palais des Sports. Il a eu l'honneur, sauf en concédant le nul face à son adversaire, le Français Oa Cospolite, en point moyen. Jean-Victor Ouedraogo revient sur les temps forts de ce combat, retransmis en direct sur nos antennes. Le combat de boxe entre Patrice Soutoke et Oa Cospolite n'a connu ni vainqueur ni vaincu. À égalité de points après 12 rondes du percute et de crochet, le Burkinabé garde son titre et sa ceinture WBC francophone en poids moyen. C'est la décision prise par les juges internationaux comme le prévoit le règlement. Une décision contestée par le boxeur et son encadrement technique, accusant ces derniers d'avoir chippé leur victoire. J'ai gagné. Et ce n'est pas parce que je suis sur le ring ou quoi que ce soit, il n'y a pas match nul. Il n'y a pas. Ça, je suis sûr. Mais bon boxeur, mais il n'y a pas match nul. Tout le monde peut faire la réclamation, c'est normal, il se voit plus vainqueur que d'autres. Mais moi, je n'ai pas changé la décision. Moi, je n'ai pas changé la décision des juges, c'est tout. Oui, mais il a fait un très beau combat, oui. De toute façon, c'est un match nul, c'est-à-dire la victoire aurait basculé d'un côté comme d'un autre. Ce championnat WBC francophone a connu des moments dantesques, mais aussi des moments d'effrayeur pour les supporters burkinabés. Par deux fois, le Bombardier a perdu l'équilibre et s'est retrouvé au sol au 4e et 9e round. De quoi faire paniquer tout un peuple. Le challenger français, fort dans les contrôles à distance trompeuse, a sérieusement cogné le détenteur de la ceinture WBC. Des frappes dévastatrices qui ont fait perdre à Soutoke le sens de la tranquillité. Ça avait 12 rondes, c'est pas petit, hein, mais c'est vu du travail qu'on a fait avec un peu de découragement. Le report, on a reporté le combat jusqu'à 4 fois. Ça donne, ça décourage un peu. Donc c'est ça, mais je pense qu'on va travailler plus encore. Mais avouons-le, il faut une thérapie pour relancer le noble art tant prisé par les Burkinabés. À la fin de ce gala-là,
nous allons commencer à déposer au ministère des Sports parce que nous n'avons pas de sponsor qui puisse venir nous donner 30 millions ou 50 millions pour organiser. Donc nous nous adossons au ministère des Sports et tant qu'il n'y a pas de déblocage, on nous dit d'attendre, nous sommes obligés de reporter, négocier. Nous avons reporté, on pouvait nous retirer la ceinture avant même que nous atteignions aujourd'hui. Donc nous avons reporté 3 fois et nous avions voulu que le boxeur aille au Ghana au moins 1 mois plein. Au-delà des discours et les déclarations de bonnes intentions, le ministère des Sports et la fédération en charge de la boxe doivent travailler à régler les problèmes liés au manque de compétition et à la prise en charge des sportifs qui défendent les couleurs nationales. Le spectacle n'était pas seulement sur le ring, il était surtout dans les gradins alentours, des moments intenses, des faits marquants et insolites qui ont été immortalisés par le chasseur d'images Mokhtar Ouédraogo. La mise en valeur est assurée par le remarquable Jean-Victor Ouédraogo, à consommer sans modération. Sacré fin de
sacré fin donc du Novel Art. Et merci à Mokta Ouédraogo et à Jean-Victor Ouédraogo pour ces images inoubliables. Après cette parenthèse ludique, allons à la découverte du premier champion national de hockey. Espoir hockey, comme son nom l'indique, promet d'être une des valeurs sûres de cette nouvelle discipline sportive. Venu de Koudou, les jeunes ont ravi la vedette à ceux de Hockey Club de Gounguin samedi sur le terrain de l'ISSTH ex-INGF. Roger Kam, Jean-Modeste Ouédraogo. L'histoire retiendra que Espoir Hockey Club de Boulkiemdé est la première équipe à inscrire son nom en lettres d'or au palmarès de cette nouvelle discipline arrivée au Faso il y a seulement 3 mois. La scène de joie des joueurs à la fin du match traduit toute la fierté et l'honneur d'être sacré champion de hockey. Notre entraîneur qui est venu nous proposer, c'était moi et puis Ibrahim, il est venu nous dire qu'il a une occasion pour nous, une nouvelle discipline pour nous. Donc à nous de faire sortir nos éléments aussi pour nous aider à jouer. Voilà, donc nous aussi on a fait de notre effort. Et puis on sortait à chaque fois les entraînements des joueurs. Et voilà, aujourd'hui on a remporté notre victoire. Dans une finale disputée en 2 fois 10 minutes, Espoir Hockey Club de Boulkiemdé en gris a écrasé Gounguin Hockey Club sur le score de 5-0. Et pourtant, le début du match très serré entre les deux équipes annonce une chaude empoignade. Les garçons venus de Koudougou, à l'aise dans la conduite de balle, assurent les passes et envahissent le camp adverse. 0-0, c'est le score à la pause. À la reprise, Koudougou presse, Gounguin panique et bonjour les dégâts. Les coéquipiers de Jean-Philippe Bakala prennent l'eau et encaissent les buts, coup sur coup. À la fin du match, la note est salée. 5-0. Cette défaite s'explique par la fatigue, quoi. On était fatigués. On a joué depuis le matin jusqu'à ce soir. Et on a joué la finale et on a perdu. C'est ça le fair play. C'est le meilleur qui a gagné. Donc on ne peut rien dire de plus. La grande satisfaction revient au bureau exécutif de la Fédération Burkinabé de hockey. Après la formation des formateurs, il y a seulement 2 mois, il a réussi à organiser le championnat national avec la participation de 9 clubs. Un coup d'essai devenu coup de maître. On s'attendait à moins que ça. Et nous avons vu plus parce que les enfants n'ont eu que 2 mois de pratique. 2 mois. Et en 2 mois, on a vu que les enfants assimilaient mieux que les adultes. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis l'accent sur la formation au niveau des jeunes. Nous n'avons pas de grands, nous n'avons pas de seniors, on n'a pas de juniors. On n'a que des minimes et quelques cadets. Et nous avons espoir que, vu la graine que nous avons aperçue ce soir sur les terrains, vraiment nous avons espoir que d'ici 4 ans, nous pourrions avoir une équipe vraiment senior compétitive. Nous avons vu que vraiment il y a un travail très très sérieux qui a été fait sur l'ensemble des clubs, et vraiment l'aspect technique vraiment c'était très 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 bien. Donc il fallait que quand même on essaie de concocter un règlement qui s'adapte aux réalités que nous avons ici et puis aussi à l'âge des enfants que nous avons, au matériel même que nous disposons. Donc c'était vraiment pas facile, mais on a quand même réussi et vraiment on est très très content. Au palmarès, toutes les équipes participantes ont reçu des primes d'encouragement. Le Hockey Club de Koudougou, classé 3e, reçoit des médailles en bronze et la somme de 40 000 francs CFA. Hockey Club de Gounguin, 2e, enfile des médailles en argent et 50 000 francs CFA. Espoir Hockey Club de Boulkiemdé, vainqueur du premier championnat de hockey au Burkina Faso, gagne des médailles en or, une somme de 75 000 francs CFA et le trophée. Du hockey, nous passons à l'escrime. Les meilleurs du fleuret du sabre du Burkina se sont donné rendez-vous ce week-end à Ouagadougou. Malgré les mésententes au niveau de la Fédération Burkinabé d'escrime, le championnat a pu se tenir. Moussa Ouédraogo, Kalfa Ouattara. C'est dans une atmosphère de crise au sein de la Fédération Burkinabé d'escrime que s'est tenu le championnat national de la dite discipline. Une situation qui explique sans doute la faible mobilisation, le peu d'engouement du public. La participation, elle a battu des records avec 44 tirés, comme elle les appelle dans l'escrime. Venus de 10 villes du Burkina, les 44 tirés ont combattu dans 2 catégories, le fleuret et le sabre, le peu n'étant pas encore pratiqué au Faso.
La finale a concerné les juniors et les seniors dans les deux catégories. Dans la catégorie fleurée, trois combats ont été livrés. En fleurée masculin junior, Yul Boris de Gawa est sacré champion face à Ahmed Savadogo de Zignari. En fleurée féminin, Safura Korbego de Bobo s'impose devant Balkissa Ouattara de Djeboukou. Qui parfait de Bobo est le meilleur en fleurée masculin senior. Le sabre a été dominé en dents par Mariam Ouattara de Djeboukou, tandis que Abdoul Nassir Kwala de Bobo est le champion national en sabre masculin. Des lauréats heureux, malgré les difficultés rencontrées. Un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. D'abord, il y a un malentendu au niveau de la fédération. Bon, il y a ça et puis les lieux d'entraînement aussi. On n'a pas de lieux d'entraînement. On s'arrange pour s'entraîner. Par exemple, nous à Bobo, on s'entraîne sous le soleil. Il n'y a pas de terrain. Tous nos chaussures là se gâtent. Bon, mais on essaie de faire avec. Comme moi, on aime le sport, on essaie de faire avec. Je suis contente. En tout cas, avec les difficultés, on arrive. On a pu arriver au niveau. Donc, je suis très contente. Je voyais les gens à la télé, je pensais que c'était pour les Blancs. Quand j'ai vu ça la première fois au Burkina, donc, j'ai trop aimé quoi. Selon moi, c'est quelque chose en rêve que je viens de réaliser. Au niveau de la fédération, on s'est satisfait de la tenue du championnat qui dit on bat le record. Très satisfait au regard du nombre de participants. Comme vous avez vu, c'est une des premières fois où on a au moins 11 clubs venus de pratiquement toutes les régions dans lesquelles l'escrime est représenté. Ce qui veut dire que nous sommes entièrement satisfaits. Et par rapport à la participation, je crois que nous battons le record depuis donc, le début des championnats. Je suis vraiment très satisfait du point de vue d'avoir de la participation et surtout du point de vue aussi du niveau technique. Et comme vous voyez, au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons que le niveau technique de nos athlètes aussi s'améliore. Et ça, c'est à féliciter. Excédé par la crise qui secoue le karaté do, Jean Yamiego du comité olympique a invité l'équipe fédérale de l'escrime à travailler à rassembler tous les amoureux de la discipline et éviter le syndrome du karaté do. Pour la 23e fois, la GSB est restée fidèle à elle-même. Sur le tartan du Palais des Sports de Ouaga 2000, transformé en salle de gala, l'Association des journalistes sportifs du Burkina a distingué et apprécié à sa juste valeur des actes et les talents hors normes qui se sont exprimés sur le plan national au cours de cette saison. Retour sur une saison où sport, strass et paillettes faisaient bon ménage avec l'élégant Jean-Moutet Souidraogo. Les journalistes sportifs du Burkina sont concrets, pragmatiques et ingénieux. En voici la preuve. Une nuit des champions pour célébrer les meilleurs sportifs de l'année 2016 et ce pour la 23e fois depuis l'existence de l'association. Cela démontre que les hommes de médias, au-delà de leur mission première, peuvent être dans l'action et contribuer au rayonnement du Burkina Faso. La QV 2016 de la nuit des champions, la nuit de l'excellence saluée, est pleine de promesses et pleine d'engagement. Ils sont jeunes, voire très jeunes. Ils ont de l'ambition propre pour un Burkina, présent de la plupart, de la plus belle manière sur les différents podiums à travers le monde. Les lauréats de cette nuit regardent tous vers Tokyo 2020 et rongent leurs freins pour que le Titanie, l'hymne de la victoire, soit entonné comme l'ont été les hymnes nationaux de certains pays au niveau donc de la sous-région. Regardez mon regard. Je voudrais dire à tous ces champions que les journalistes sportifs du Burkina Faso les suivront. Nos voeux de réussite accompagnent tous nos sportifs engagés dans diverses compétitions. Ce dîner gala offert par les journalistes est un moment de retrouvailles entre journalistes, sportifs et dirigeants. Ainsi, au cours de cette soirée, 25 sportifs ont reçu des distinctions. Un trophée, des gadgets, la somme de 100 000 francs CFA chacun. Jacques Ouédraogo, seul représentant du Burkina Faso aux Jeux paralympiques de Rio, Zalissa Kemde au handball, Angelika Ouédraogo à la natation ou encore Issoufou Lougué aux Jeux de Scrabble, les champions dans chaque discipline ont été mis sur le pied d'estrade. Une manière pour les journalistes d'encourager ceux qui se battent corps et âme pour hisser encore plus haut le drapeau national.
Yacouba Mando, nouvelle recrue du Oroya de Guinée, ancien footballeur du RCK, et le cycliste Mathias Sorgho, en stage en France, ont été représentés par leurs dirigeants. Du jeu de dames, en passant par les arts martiaux, le tennis et le volleyball, tous ont été primés. Et je suis contente ce soir d'avoir ce prix parce que voilà, les journalistes ont jugé bon de m'encourager, de reconnaître mes efforts. Donc, c'est une joie pour moi. Et... belle initiative, hein, donc que de décerner donc des prix aux meilleurs. Et je pense que l'équipe sortante a fait un très bon boulot. Et je pense qu'ils cèdent la main au nouveau. Donc on va leur souhaiter bon vent pour le travail à venir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours besoin donc des journalistes. C'est eux qui font des analyses, hein, qui nous permettent aussi de nous améliorer tout le temps. Je pense que je profite donc de votre micro donc pour les remercier, pour les féliciter. Derrière un bon sportif se cache en principe de bons dirigeants et des mécènes qui œuvrent inlassablement à la promotion du sport. Ainsi, l'association des journalistes sportifs de Burkina a décerné des trophées de reconnaissance à 5 personnalités. Masato Futaishi, ambassadeur du Japon pour son soutien au monde du judo et surtout son implication personnelle dans le financement de la construction du siège des fédérations sportives. Marcel Zuma, PDG de Pullman Distribution, grand soutien du handball. Adama Ouedraogo, PDG de la société Staff, amoureux du football et grand mécène de certains clubs burkinabés. Mahamoudou Bonkungu, PDG de la société Ebomaf, lui aussi grand partenaire des journalistes sportifs et du monde du football. Enfin, Jean Yamego, président du Comité national olympique et des sports burkinabé, homme discret, mais très actif. La nuit des champions à JSB, c'est aussi une cérémonie riche en couleurs, en son et en lumière. Des artistes comme David le Combattant, Agozo et Barça Premier ont écumé le palais des sports. En tout cas, une soirée magique que vous avez vécue donc sur nos antennes. Une décennie de lutte et de victoire dans la promotion de la femme par le sport. Joyeux anniversaire au groupe de travail Confeges, section du Burkina Faso. Pour la 10e fois, le critérium féminin a mobilisé les filles et les femmes dans deux courses cyclistes amateurs et professionnels. Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara nous font vivre le show du vélo au féminin couru dimanche sur le boulevard du Conseil de l'Entente. C'est dans la capitale burkinabé. Deux courses cyclistes étaient à l'honneur de ce 10e critérium féminin. La première, un vélo ordinaire, a regroupé 19 participants venus des 13 régions du Faso. L'objectif, promouvoir le vélo de masse fortement pratiqué par les burkinabés. Cette compétition s'est déroulée sur une distance de 10 km. Un circuit qui semblait trop pénible pour 5 d'entre elles qui ont jeté l'éponge. A contrario, Alphonsine Pouya montre qu'elle a de la ressource. Elle remporte l'épreuve en solitaire en 20 minutes 18 secondes, soit une vitesse moyenne de 29,55 km/h. Elle est suivie de Irma Koulibaly et de Ramata Ouedraogo. L'attraction de ce 10e critérium féminin, c'est la compétition avec les vélos de course. Toute la fine crème du cyclisme féminin, soit 17 au total, était au départ. Parmi elles, Adjaratou Nian, championne nationale. Après 10 km de parcours, le peloton reste groupé à une vitesse de 30,25 km/h. Mais visiblement, la course se joue entre Adjaratou Nian et Emilienne Savadogo. À deux tours de l'arrivée, elle se détache et creuse l'écart avec le peloton. Et sur la ligne d'arrivée, Adjaratou Nian montre qu'elle reste et demeure la plus forte. Elle s'impose en 38 minutes 22 secondes, soit une vitesse de 31,277 km/h. Satisfaite, mais elle interpelle les autorités en charge du sport. Sincèrement, je suis très contente de cette victoire ce matin. Je remercie vraiment les promoteurs de la course et je demande vraiment, je lance un appel vraiment aux autorités burkinabées de retourner les regards envers le cyclisme féminin. On a des objectifs aussi qu'on veut atteindre au niveau du cyclisme féminin, mais je sens qu'on est trop délesté. Je ne sais pas si les gens s'inquiètent, si on ne pourra pas faire quelque chose, je ne sais pas. Mais je lance un appel vraiment, qu'ils retournent leur visage vraiment vers nous, afin que nous puissions aussi un jour donner des meilleurs résultats au niveau international. C'est ce que nous souhaitons vraiment. 10e pari tenu pour le groupe de travail Confeges pour la promotion de la participation des jeunes filles et des femmes aux activités de la jeunesse et du sport au Burkina Faso. Un sentiment de satisfaction
d'avoir pu organiser cette compétition parce que ce n'était pas très évident. L'innovation cette année a été la formation des commissaires de course cycliste féminine pour que nous puissions aider, appuyer la fédération au niveau de cette course-là. Et comme je l'ai dit, pour atteindre l'objectif de GTCF qui est d'accroître la participation des femmes à tous les niveaux du sport, que ce soit en administration, en entraînement et en tant qu'arbitre officiel. Les meilleurs ont été récompensés à la hauteur des efforts fournis. Si le GTCF connaît une telle success story depuis 10 ans, elle le doit en partie à sa responsable Fatih Aniel Basenga, une structure dont les activités continuent de convaincre et séduire le milieu du sport. Constat avec toujours Moussaoui Drago et Kalfa Ouattara. Les objectifs du GTCF, c'est contribuer à accroître la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse et de sport, et aussi veiller à ce que les femmes soient au niveau des structures sportives et aussi au niveau du ministère. Donc notre objectif, c'est veiller à tout cela. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes vraiment satisfaits de cette compétition-là, parce que l'objectif de GTCF a été atteint pour cette 10e édition-là. Chose à un début. Et je pense qu'avec ce groupe de travail de la Confégès, 10 ans déjà, ce n'est pas peu, et elles ont gagné en maturité. Je pense que la Fédération de cyclisme est en train d'inscrire le cyclisme féminin dans son programme. Et nous savons que les années à venir, tout le monde aura du plaisir à monter du vélo avec les femmes du Burkina. Comme vous le savez, monsieur le maire de l'arrondissement 9, lui-même est un promoteur du sport. Donc, je sais qu'à l'avenir, comme les années suivantes, il sera prêt à soutenir le groupe. Alors, dans l'ensemble, vous avez vu les deux courses. Il y a eu un engouement, il y a eu un engagement. Surtout vélo de course, vous avez vu des champions. Et on se croirait, en tout cas, à une course d'hommes. Donc, je peux dire que techniquement et tactiquement, ça a été une course très bien menée. Ça y est, il s'est enfin décidé. Bertrand Kabore va à la conquête de la présidence de la Fédération burkinabé de football. L'ex-secrétaire général de la structure dirigeante du Ballon rond a déclaré sa candidature samedi devant les professionnels des médias. Quelles sont ses motivations, ses projets, ses programmes? Lassina Sawadko et Amadou Ilboudou, nos reporters, lèvent le voile. Après les élections de 2012, qui ont connu la particularité de n'avoir qu'un seul candidat sur la ligne de départ, les élections de 2016 annoncent déjà près de 5 candidats potentiels si l'on en croit aux commentaires lus et entendus dans la presse. Toute chose qui montre que la liberté de se présenter aux élections est une chose consacrée, reconnue à tout citoyen burkinabé. C'est au nom de cette liberté fondamentale d'exprimer nos opinions et de participer à la construction de notre pays dans un contexte marqué par la nécessité de gérer les affaires publiques avec plus de rigueur et de clairvoyance que nous avons décidé de nous présenter aux élections de la Fédération burkinabé de football au poste de président. C'est désormais officiel, Bertrand Kabore est candidat à la présidence de la Fédération burkinabé de football. L'ancien secrétaire général de la FBF dit être un produit du football qui entend servir au plus haut niveau pour les 4 années à venir. Après avoir été joueur, entraîneur, dirigeant de club, président de la Ligue du Centre de football, secrétaire général de la Fédération, membre de la commission média de la CAF, commissaire de match international, je pense en toute humilité que j'ai le bagout nécessaire pour servir honorablement le football burkinabé. Les raisons de sa rupture de banc avec Sita Sangaré ont été évoquées. Bertrand Kabore dit être la cheville ouvrière du programme du colonel Sita Sangaré en 2012 et pense qu'il est temps pour le colonel de céder son fauteuil. Il n'y a vraiment pas de problème de personne entre Sita Sangaré et moi. Voilà, nous sommes des frères, des amis.
Voilà, mais c'est dans la vision de la gestion du football qu'il y a un problème. Et je pense que au soir du 12 novembre, lorsque je serai élu, et je serai peut-être la première personne à tendre la main au colonel Sangaré et lui demander d'apporter son expérience et également sa vision et pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, pour vous dire la vérité, je trouve que le président Sangaré, si jamais il est candidat, puisque je n'ai entendu nulle part, et ce serait dommage parce qu'il n'a plus le temps vraiment pour consacrer au football. Vous savez qu'il a de lourdes responsabilités du côté de la justice militaire. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez même au niveau des instances internationales telles que la FIFA, la CAF, qui ont du personnel très lourd, malgré tout, le président est tenu d'être permanent, salarié permanent, parce qu'on estime que le football des années 60, où on pouvait aller consacrer et une heure dans la journée ou un week-end pour gérer le football, s'est dépassé. Maintenant, on veut de vrais managers qui vont diriger. C'est pourquoi je disais dans mon discours liminaire, dans ma déclaration liminaire, qu'il fallait des personnes disponibles, accessibles, avec l'expérience. Bertrand dit attendre le début de la campagne pour dévoiler son programme et surtout son équipe. C'est du wait and see. Le réveil de la rive droite a été sans pitié pour les princesses du Kadjogo après avoir essuyé une défaite en match inaugural face aux mêmes adversaires. Les Nigériens ont pris leur revanche. Le même score d'un but à zéro infligé par Princesse au départ a été réalisé par les Nigériennes lors de cet ultime acte leur permettant de repartir à Niamey avec le trophée du 4e tournoi international de football féminin de Ouagadougou. Konsoun Koulibaly, Mamadou Mina. Battu 1 à 0 en match d'ouverture de cette 4e édition du TIFO par les princesses du Kadjogo, rive droite du Niger prend ainsi sa revanche en finale. L'entame du match est pourtant légèrement à l'avantage des princesses en rouge et vert, mais les différentes tentatives sont mal exploitées. De quoi mettre en confiance les joueuses des rives droites qui sortent peu à peu de leur camp. Plus technique, les Nigériennes déroulent et à la 27e minute de jeu, Rumanatu Tairu d'un tir lointain bat Amisanou. 1 à 0 pour les Nigériennes qui réussissent à conserver ce acquis jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les princesses sont plus offensives, mais Salimata Simpore a les pieds carrés. L'attaquant des princesses, par deux fois, rate le cadre. Les Nigériennes n'en demandaient pas mieux et gèrent leur avantage tout en se montrant dangereux sur coup de pied arrêté. Les princesses accentuent la pression dans le dernier quart d'heure de ce match de 2 fois 35 minutes. Mais rive droite du Niger tient bon et s'impose par le score étriqué d'un à zéro. On remercie notre coach tout d'abord. Et c'est lui qui a fait en sorte que nous avons pu faire la différence. Chaque année, on joue la finale. Cette fois-ci, Dieu merci, on a pu remporter la coupe. Et on a pris l'année passée. Cette année, on n'a pas eu la chance pour avoir la coupe. Mais on est fiers d'être deuxième aussi. Voilà. Nous, on les félicite, nos adversaires aussi. Parce que ça fait leur quatrième année comme ça, qu'ils sont dans le TIFO et ils n'ont jamais remporté. Même si elle est la présidente des princesses, la promotrice du TIFO se réjouit de la victoire des rives droites et du déroulement du tournoi. 4e édition, très très réussie. Et si je veux voir le MENA du Niger qui a perdu l'an passé contre nous, est revenu prendre sa revanche. Et nous jouons simplement contre une équipe nationale et nous sommes un club. Et nous avons la chance au Burkina d'avoir un championnat, d'avoir la Coupe du Faso. Et cette Coupe qui va au Niger sera un tremplin pour les filles nigériennes. Ça va motiver les décideurs du football au Niger pour mettre le championnat en place et pourquoi pas l'équipe nationale du MENA en place et engagée dans les compétitions internationales. Grâce à cette victoire, rive droite du Niger gagne la médaille d'or et peut désormais orner sa vitrine avec le trophée du TIFO en attendant la prochaine édition.
Le football revient sur les terrains de la Ligue du Centre, précisément au stade Issoufou Joseph Konombo. Dès ce mercredi, la quatrième coupe Antoine Bernard Ouédraogo donnera de l'animation pendant un mois aux clubs affiliés à la Ligue régionale du Centre. Son président en parle davantage au micro de Mamadou Wina et Moussa Ouédraogo. Les objectifs restent les mêmes, hein, c'est la préparation des clubs de la Ligue du Centre pour le début du championnat non seulement. Et cette année, par exemple, on a la chance d'avoir les deux équipes qui sortent en campagne africaine. Voilà, parce que la Coupe du Faso et le championnat ont été remportés par des clubs de la capitale, par le RCK en l'occurrence. Donc son dauphin à la Coupe du Faso sort pour la Coupe africaine des choses de la Confédération. Voilà. C'est à la limite même les clubs qui suscitent ça maintenant parce que ça fait partie... C'est vraiment, ça donne de la préparation aux équipes. On finit toujours la Coupe de la Ligue à peu près une semaine avant le début du championnat. Et cette année, nous avons remarqué que les clubs de la capitale sont rentrés très vite dans le championnat et le niveau a été relevé. Ils sont rentrés très vite dans le championnat. Les 5 premières journées du championnat, les clubs de la capitale étaient devant les autres. Donc on s'est dit que c'est parce qu'ils ont non seulement pu tester les nouveaux joueurs qu'ils ont recrutés, et ils sont partis avec une équipe déjà compétitive. Il y a une spécificité dans l'édition de cette année? Non, c'est toujours dans la même lancée. C'est toujours dans la même lancée, surtout que nous avons un nouveau premier. On a l'AS Police qui est monté en première division, donc on a 9 équipes cette année au lieu de 8. Donc c'est très important pour nous de pouvoir organiser cette coupe-là pour galvaniser nos équipes et leur donner de la compétition. 9 clubs répartis en 2 poules A et B s'affronteront du 28 septembre au 29 octobre prochain au stade Issoufou Joseph Konombo. Les premières oppositions mettront aux prises l'USO à Santos FC à 16h, précédé de USFA AS Police à 14h. L'UNSE à la conquête des supporters de Bobo. L'Union y a lancé la souscription de la carte samedi. Le moins que l'on puisse dire est que le premier citoyen de la ville de Sia a donné l'exemple en prenant une carte VIP Platinum. Lamine Karantao, Bernard Bayala. L'Union nationale des supporters des étalons qui innovent. Cette structure a décidé de confectionner une carte de supporter pour s'offrir les moyens de soutenir de manière autonome les étalons du Burkina Faso. La carte étalon, c'est une carte de supporter. C'est une carte qui permet à chaque Burkinabé de contribuer au développement du sport. Il existe 4 types de cartes. Nous avons la carte de 50 000 qui est Platinum VIP. Vous avez la carte Gold VIP de 25 000 francs. Vous avez la carte Silver qui est de 10 000 francs. Et vous avez la carte Bronze qui est de 2 000 francs. Cette carte, c'est une carte d'abord de supporter, c'est une carte également qui permet à chaque Burkinabé de contribuer de sa façon, selon ses moyens, au développement du sport. Au lancement de la souscription à Bobo Dioulasso, c'est le maire de la commune qui a donné le ton. Je me suis permis même de me souscrire pour une carte VIP, alors, parce que pour moi c'est la joie. Je vais aussi, en tout cas, c'est ma contribution. Le soutien au sport. Le deuxième vice-président des supporters qui réside également à Bobo, lui a emboîté le pas. Très très comblé, très très comblé. Moi je profite seulement de votre micro pour remercier le ministre des Sports, l'initiateur de cette carte, le président de la Fédération Burkinabé de football, le Sionos B, qui nous ont donné l'initiative de produire cette carte qui va nous donner un ouf dans nos moyens financiers. Après Ouaga et Bobo, l'Union nationale des supporters va sillonner les 11 autres régions du Faso pour permettre aux autres supporters de souscrire. En bref, le TP Mazembe, bourreau du détenteur, l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie, disputera sa 10e finale en compétition africaine à l'occasion de celle de la Coupe de la Confédération le vendredi 28 octobre en Algérie et 4 novembre prochain à domicile. Son adversaire est le Mobejaïa qui a sorti de l'Algérie, qui a sorti le FUS de Rabat du Maroc. C'est de la Ligue des champions africaines se jouera entre le Zamalek tombeur du Wydad Casablanca et Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, tombeur des Zambiens du Zesco United. Rubrique très attendue le lundi, nous sommes avec l'élégant Jean-Modeste Ouédraogo, vous l'avez compris, c'est pour Écouter Pro. Bonsoir Modeste. Bonsoir Christelle.
Dites-nous, la semaine dernière, nos professionnels se sont démarqués avec des temps de jeu et des buts qui nous ont réjouis. La belle série a-t-elle continué ce week-end? Ben, on pourra dire oui, parce que déjà aux Pays-Bas, on jouait donc la 7e journée. Ajax du milieu de terrain, Burkinabé Bertrand Traoré. Lamine, la lanterne rouge, hein, Peck Souvoleux, 5 buts à 1. Le Burkinabé a ouvert le score, a ouvert son compteur but en championnat à la 59e minute. Et ça, c'est une bonne nouvelle puisque ça lui fait 2 buts, puisqu'il a 1 but en Europa League. Et puis en Turquie, on jouait la 5e journée ce week-end. Et pour la première fois, les deux Burkinabés de Kayserispor, à savoir Alain Traoré et Plejus Nakulma, ont été titularisés. Et donc, les deux joueurs ont commencé le match et les deux joueurs sont sortis. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'Alain Traoré a commencé à avoir de la forme puisqu'il est passeur décisif sur le premier but de Kayserispor. Et Alain Traoré est sorti à la 75e minute. Plejus Nakulma, lui, est sorti à la 90e minute et la victoire de Kayserispor sur le score de 2 buts. Et puis, on va rester en Turquie pour parler de Abdourazak Traoré. Et en tout cas, le Burkinabé de Kardemi Karabouchpor tombe face à Gengelk Birgili, 2 buts à 0. Et le milieu Burkinabé titulaire a joué 90 minutes. Et puis, Christelle en Espagne, Malaga de Bakary Koné, ça ne va pas. Battu 1 à 0 par le Betis Séville. Le défenseur Burkinabé, lui, est resté sur le banc de touche. Et puis, ben, après 6 journées, Malaga est premier. Non, relégable. Et puis en France, on ne peut pas passer sous silence cette victoire héroïque de Steve Yago de Toulouse et Alba Lafont, franco-burkinabé, le jeune gardien. Ben, écoutez, ils ont livré en tout cas un match héroïque qui fait craquer donc Paris lors de la 7e journée, 2 buts à 0. Toulouse s'est imposé voilà, de façon héroïque grâce à Alba Lafont, le gardien de but de Toulouse, et puis le défenseur latéral droit, capitaine de Toulouse, Steve Yago. Et puis, ben, on va parler de la Ligue 2 française où on jouait la 9e journée. Valenciennes se déplaçait à Lens et victoire de Valenciennes, 2 buts à 1. Et puis, ben, le milieu de terrain lensois Adama Guira, il vient d'arriver dans ce club. Il était au Danemark, il vient d'arriver dans ce club pour sa première titularisation à vue rouge dès la 7e minute. Christelle, ben, écoutez, Abdoulaziz Kabore, lui, est resté, il n'était même pas sur la feuille de match. Et Adama Guira, lui, est sorti donc avec un carton rouge dès la 7e minute. Et cela a pénalisé son club et son club perd 2 buts à 1. Et puis, on va signaler qu'en CFA, Alassane Sango, latéral droit de Cholet, ben, écoute, Cholet fait jeu égal de 0 à 0 à Granville et le Burkinabé, lui, a joué 90 minutes. En Russie, on va parler de Charles Kabore en Russie. Mm-hmm. Voilà, Krasnodar FC du capitaine des étalons Charles Kabore arrache un point important et c'était sur le terrain du CSKA Moscou. Ben, Charles Kabore, titulaire, a joué 90 minutes. Et puis en Moldavie, on jouait la 9e journée. Pourquoi on parle de la Moldavie? Parce que là, on a deux footballeurs là-bas désormais. Et il s'agit donc de Cyril Baros Bayala qui rejoint donc, on va dire, le vieux Briscard, celui qui a fait 11 ans donc, du côté de la Moldavie, Wilfried Benjamin Balima. Ben, Balima, très en forme, après son but de la tête lors du week-end passé, ben, Balima frappe encore, il frappe à nouveau avec un autre but à la 50e minute pour la victoire du FC Sheriff Tiraspol, 2 buts à 0. C'était donc face à Nisperoni. Et puis au Portugal, deuxième division, voilà, on va prendre les nouvelles comme ça d'un jeune milieu de terrain burkinabé qui vient d'être appelé dans la sélection de Paulo Duarte. Il s'agit donc de Gibril Zinaba. Ben, Gibril Zinaba et Penafiel, son club, voilà. Donc, font jeu égal de 0 à 0 face à Familia Sao. Zinaba, titulaire, a joué 90 minutes. Et puis, aux Émirats Arabes Unis, deuxième journée, Al Nassr de l'attaquant burkinabé Jonathan Pitropa perd à domicile contre Al Ahly 1 à 0. Et Pitropa, titulaire, a joué 70 minutes. Et puis, en Égypte, deuxième journée, victoire de Smoa, des deux inséparables burkinabés, Patrick Malo et Banou Diawara, toujours ensemble, hein, et ben, les deux ont participé à la victoire de ce mois, 2 à 0. Et puis en Lettonie, on va prendre les nouvelles de notre très cher ami Aristide Bansé, ben, qui est, excusez-moi, je vais écorcher peut-être le nom, Jelgawab contre Riga. Riga, c'est le club de l'attaquant burkinabé Aristide Bansé. Défaite de Riga 1 à 0, Bansé est entré à la 56e minute. Ben, c'était la 23e journée, on tend vers la fin de ce championnat. Et puis on va
peut-être parler des transferts. On a quelques informations concernant des transferts. On parlait de Cyril Barros Bayala qui quitte Dakhlé, c'est en Égypte, et il rejoint donc le FC Sheriff Tiraspol et il sera donc désormais le coéquipier de Wilfried Benjamin Balima. Et puis Yacouba Mando, meilleur joueur du championnat burkinabé la saison dernière, meilleur joueur HSB, ben, ce garçon a décidé de déposer ses valises du côté du Oroya Club de Guinée. Il va allonger la longue liste. La longue liste, oui. Voilà, il va porter, je crois, à 6 le nombre de Burkinabé dans ce club guinéen. Et bien, il en est de même pour Bassirou Ouédraogo qui quitte le FC Mounana du Gabon pour déposer lui aussi ses valises du côté du Oroya de Guinée. Et Jérôme Ouya du RCK s'envole pour l'Égypte au FC Svan. Et puis, cette nouvelle, Saïdou Zongo, ex-sociétaire du Majestic, signe au FC 7, c'est en CFA, championnat de France amateur, pour une saison. Ben, le latéral gauche international Kadé retrouve la compétition, puisqu'il était en difficulté, mais désormais, il signe en CFA. Voilà un peu résumé, Christelle Paris, les nouvelles de nos pros. On peut dire qu'il y a eu plus de bonnes nouvelles que de mauvaises. Merci beaucoup, Modeste Ouédraogo. On vous retrouve lundi prochain pour la même rubrique. Le premier tournoi de foot Issaka Kabore du secteur 14 de Ouagadougou a pris fin dimanche par la victoire de Gala. Il s'est imposé au tir au but sur le terrain de l'hippodrome. Nongba Kouda, Bambalaville Kafando. Fédérer la jeunesse à travers le football et œuvrer à leur épanouissement à travers le sport. C'est entre autres les objectifs assignés à la première édition du Maracana initiée par Issa Kabore. Il s'agit entre autres de promouvoir la solidarité, l'union et la paix. Oui, la paix, socle de tout développement. La finale de la première édition du Maracana a opposé l'équipe de Gala en blanc à Légende. Gala se crée des occasions en première mi-temps sans parvenir à ouvrir le score. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur le score de 0 but partout. En seconde période, les opportunités se multiplient de part et d'autre, mais aucun but ne sera inscrit. Score nul et vierge au terme du temps réglementaire. Recours donc au tir au but pour départager les deux équipes. Victoire de Gala qui s'impose par 2 tirs réussis contre 1. Légende. Et vraiment, nous sommes très heureux de la mobilisation et il faut dire que Sim Fasso, à travers son président du conseil d'administration, Inoussa Kananzoué, est quelqu'un qui œuvre pour la jeunesse et notre slogan le démontre, nous construisons l'avenir. Et je pense que cette mobilisation-là montre que nous sommes dans la bonne voie. Nous avons fait la bonne décision de soutenir la jeunesse. Et effectivement, partout, chaque fois que la jeunesse aura besoin de nous, je pense que nous allons toujours être là. Et vraiment, c'était une belle finale. Et le parrain, par ma voix, quand même, réitère son soutien pour les éditions à venir. Parce que la jeunesse, on a vu quand même que les jeunes sont beaucoup mobilisés ici. Et on espère que d'ici quelques années, on aura des grands joueurs, à l'image de Salif Keïta, Didier Drogba et autres. Nous sommes très contents, vu la mobilisation des jeunes, on voit que vraiment on est satisfait. On remercie beaucoup tous les jeunes qui sont venus pour nous soutenir. Vraiment, nous sommes satisfaits. C'est notre première édition, nous sommes satisfaits, donc on compte continuer avec le soutien des jeunes, tout le monde. Voilà. Les jeunes finalistes reçoivent la médaille d'argent et la somme de 300 000 francs CFA. Gala, vainqueur de la première édition du Maracana Issa Kabore, gagne les lauriers de la victoire, composés d'une médaille d'or et la somme de 500 000 francs CFA. Dans le sud-ouest burkinabé, 8 secteurs de la cité du Bafoudji ont pris part au 9e tournoi de football de l'Amicale des anciens sportifs de Gawa. Le secteur 3 a évincé le secteur 8 à 2-0 dans la course au trophée. Il devient le secteur le plus capé du tournoi. Avec ses 8 trophées, il démontre une fois de plus sa mainmise sur ce tournoi. Olo Fortuné, Christophe Da. Après avoir mené un but à 0 dès la 12e minute, les Verts du secteur 3 continuent de mettre la pression, mais doivent se contenter de l'unique but pour aller à la pause dans cette confrontation de 2 fois 30 minutes. À la reprise, c'est le secteur 8 qui a l'occasion de recoller au score à la 34e minute. Oh, qu'est-ce qu'il a voulu faire, c'est pas fini.
Puis, sur cette sortie limite, le portier Oloyo l'accroche Lemate Kambou avant de se racheter de fort belle manière en arrêtant le pénalty de Sansahien. Les Verts ne se font pas prier pour enchaîner de belles séquences de passes récompensées quelques minutes plus tard. Bien introduit par Ahmed Razak Da à la 38e, Sié Palinfo signe le doublé et fait le break pour le secteur 3 qui l'emporte finalement 2-0. Une victoire qui porte à 8 les sacres du secteur 3 en 9 éditions de la Coupe de l'Amicale des anciens élèves sportifs du Bafoudi. Le secteur 3 décidément trop fort pour ses adversaires depuis quelques années. Nous avons une bonne élève, il me dit que c'est ça qui a fait que le secteur 3 est toujours d'actualité. Voilà, puisque nous avons une bonne pépinière, donc je pense que c'est ça notre force. L'équipe adverse était un peu plus forte que nous, la raison pour laquelle on n'a pas pu être les vainqueurs. Il y a eu le fair play, bon, et puis c'est la famille. Je remercie aussi le promoteur, voilà, d'avoir pensé à nous. Les promoteurs qui se réjouissent de l'esprit et la qualité de la finale n'ont pas eu la tâche facile à l'organisation. Ils disent cependant tirer leçon de leurs erreurs. On a réussi, en tout cas, à mener à bien nos activités. Et pour éventuellement des perspectives par rapport à cela, je pense que nous sommes en train de grandir. Tout compte fait, nous prendrons les dispositions nécessaires pour quand même éviter justement ces soucis que nous vivons. Mais nous prenons l'engagement, effectivement, tout parfait d'ici les temps à venir, pour que lorsque nous allons nous retrouver, que tout se déroule bien. Tout s'est très très bien déroulé et c'est ce que justement nous le prônons. Et en matière aussi de victoire, tout le monde gagne et c'est nous tous qui gagnons. Au nom donc du ministre de la Culture et du Tourisme, je salue les organisateurs de cette activité, puisque dans notre ministère, nous passons justement par les associations de ce genre pour pérenniser et cultiver la cohésion sociale. Le secteur 3 qui succède au secteur 1 reçoit en plus du trophée un ballon et la somme de 60 000 francs CFA. Son dauphin, le secteur 8, se console avec 40 000 francs CFA et un ballon. Les secteurs 1 et 8, respectivement 3e et 4e, ont été également récompensés. Vendredi prochain, Sportbox prend ses droits sur ce plateau. Le management des étalons sera au cœur des débats à l'orée de grandes échéances telles les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et la CAN 2017. Victorien Marienne et ses invités feront le diagnostic de l'envers et le décor de la sélection Fanion du football burkinabé. Soyez des nôtres ce vendredi à 21h pour plus d'informations et de précisions. En attendant, merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.